Salut les amis, ça fait très longtemps, franchement ça fait vraiment longtemps, je n'ai pas posté des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Marie-Hélène et mon nom sur YouTube c'est Marie Lachoco. Bon, aujourd'hui je vais faire vite une vidéo pour vous parler un peu de fashion, de vêtements. Donc je voulais vous dire excusez-moi si vous voyez que je ne poste pas assez de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que franchement je n'avais même pas le temps, je travaillais tout, mais maintenant à cause de ce qui se passe maintenant, à cause de ces maladies qui est arrivée, donc maintenant je vais commencer maintenant à faire des vidéos pour vous. Donc si vous voyez que mon visage est comme ça, ici il est matin, je vis à Londres aussi, je vis à Londres. Je suis ivoirienne, mon français n'est pas assez bien parce que je suis tout le temps dans l'anglais, donc je me débrouille pas mal. Donc j'aime mieux, si vous voyez mon visage comme ça un peu blanc, c'est parce que j'ai mis le savon sur mon visage. Je vais me laver bientôt et après avoir fini de me laver, je vais vous montrer les vêtements que vous pouvez porter pour sortir avec vos chéris ou bien soit au restaurant avec les amis et tout. Donc voilà pourquoi je suis comme ça. So hello guys, my name is Mary Helen and my YouTube channel name is Mary Lachoco. So I'm so sorry guys if I did not upload a lot of videos because I was so busy guys, I was working and everything, but because of this situation that is there now, I got more time, I'm more home, so I'll be uploading a lot of new video for you guys. So today I have a lot of video to share with you, how to dress. So my channel is about fashion, losing weight and product, you know, skincare, everything. So if you see that my face is quite a bit white like this, don't mind me. I live in the UK and then I just wake up, it's morning here, so I just wake up, I'm gonna have my shower, so I just put quickly soap on my face because I start seeing a little spot on my face to just clear out the spot, so that's why you see my face like that. So I just want to say guys, I will be there now with you guys, showing lovely video and share a lot of things that you can do, you know, to go out, losing weight like I told you guys, and also skincare product, everything. So I love you guys, let me get ready so you guys can see what I'm gonna show you about fashion, what you can wear to go out with your partner, your boyfriend, or either your friends. So love you guys. So hello guys, you can see me, I finished my shower. So this is outfit number one, so it's all about fashion guys. So don't mind this blazer that I put on. I put the blazer on guys because I put on weight. You guys can see what's going on already. I put so much on weight, I eat a lot of food so I put on weight, so that's why I put the blazer on, because I'm not comfortable with my arms. I think I put on weight and look big, so I don't like it. So it's up to you. But if you see that you're not comfortable with your skin too, you can wear it with any kind of choice, any kind of choice of blazer that you want. Because I did try with different blazer. I did try with red, white, pink, name it, just all different color blazer. It still work with it. But the dress itself, it looks fine as well with our blazer. It looked beautiful because when I bought the dress, it was
fine. That time, my arm did not put on weight that much, so it was beautiful, so you can wear it without no blazer, guys. So this is outfit number one. Donc, les amis, je disais que voici la robe. Tout c'est pour fashion. Si ma chaîne, je vous ai déjà dit, je finis de me laver. Donc, ça, c'est la première robe que j'ai mis pour vous montrer. Donc, pourquoi j'ai mis le blazer là-dessus? En fait, j'ai tellement grossi. À cause de ce qui se passe, je mange beaucoup, mes amis. Je mange trop de nourriture. J'adore ma nourriture. Non, j'ai tellement grossi que... voilà pourquoi je ne suis pas confortable avec, mes mains comme ça. Voilà pourquoi j'ai mis les blazers. Mais si vous voyez que vous avez un joli corps et puis vous n'avez pas assez grossi, vous n'avez pas le droit de mettre le blazer. Parce que la robe simple, elle est très belle sans le blazer. Elle est très belle sans le blazer. Mais je mets ça parce que je ne suis pas confortable. Je trouve aussi. Mais la robe simple, ça va. Et si vous voyez que vous n'êtes pas aussi confortable avec vos corps aussi, si vous avez grossi, vous pouvez mettre le blazer. Et ça marche avec toutes les blazers. Vous n'êtes pas obligé de porter le noir comme j'ai mis le noir. Ça va avec toutes sortes de couleurs de blazers. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez, cette robe noire. Vous pouvez porter ça soit dans une fête si vos amis vous invitent. Ou mais soit vous pouvez sortir avec vos chéris. Si vous avez vos chéris, vous portez cette robe. Elle est très super belle. Magnifique. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre ça quand vous sortez tout le temps. Ça, c'est pas une robe aussi de boîte, parce que je vois beaucoup de filles en Afrique. Je suis pas en Afrique, je suis à Londres, je suis en Europe. Mais quand je voyais souvent dans nos pays à Abidjan, plein de filles portent les longues robes, les belles robes que tu dois porter le jour des soirées, ou bien soit avec ton chéri, mettre ça comme ça pour marcher. Ça, c'est pour les fêtes, tu vois, sortir avec ton chéri. Donc, j'ai choisi cette couleur, j'ai choisi cette paire de talons parce que j'adore quand tu mets une autre. Normalement, avec le fashion, quand tu portes un habit noir, une robe noire, vous n'avez pas, vous pouvez porter d'autres chaussures. Par contre, ça va bien avec d'autres chaussures, rouge, blanc, quoi. Mais je préférais avec cette paire de talons brillantes parce que quand tu portes les habits noirs, surtout avec le fashion, c'est beaucoup joli avec la robe noire. Donc, vous voyez, j'ai porté le sac de ça. Ça, c'est le sac aussi de la paire de chaussures que j'ai mis, les talons. Donc, vous voyez la robe. Je vais tourner et puis vous montrer, ok? Donc, c'est ça. So, guys, I was just telling also other people in French that this dress, this beautiful dress that I put on, you can wear it. I chose these shiny shoes, these glitter shoes, because... with fashion, I prefer with, especially when you wear a black dress, I prefer with the glitter shoes, because with the glitter shoes, it looks more nice with the shiny shoes. So you can see my heels that I put on. I also hold the small handbag over it, so it's really look good with it. I prefer it, but you can wear it with any choice of your shoes that you want. It's up to you, but I prefer like this. I think it looks more class like this and beautiful. So this dress is not something that you can wear to club. It's a dress that you can put on, go out with your partner, or when there's a party, or either any event, when you go any business event that you want to go to, you can rock it with this black dress on, rock it good. If you got any glitter shoes, you put it on with also a small purse as well that is glitter or either shiny. It's up to you, but I think you look rock like that if you put it on. So you see, it's more posh like that. So when you want to go to a party, it's not really classy to hold the bag with a handle. It's better to hold the bag like this, so it looks more class and posh. So guys, I will turn and you will see the back. So this is the back of the dress. You see the way it looks beautiful. The dress is so beautiful and I love it. And that's the front, so you can see all the, you know, it gives you perfect hips, perfect figure. Everything looks beautiful. It doesn't matter too if you put on weight. It doesn't really show your stomach, which I love of it. So look at it. It comes out of your shape very good and sexy, and I love it. This dress in look, I'll put everything there so you guys will see the way it look good. So you can see I also put necklace on too. It's up to you. You can wear the necklace if you want to, but make sure you have to match the back that you put on, including the shoes. Donc les amis, je vais tourner pour que vous voyez la robe. Vous voyez la robe? Vous voyez? Donc la robe est tellement belle. J'adore cette robe parce que
En fait, ça te donne le shape, ça te donne vraiment un curve joli, un joli corps. Et en plus, ce n'est pas aussi court. Ça arrive sur les genoux, derrière, c'est un peu long. Donc, la robe est vraiment super. Si vous avez des events à partir, comme par exemple, on fait des petits events de business et tout, vous pouvez mettre cette robe. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez porter en boîte, non. C'est quelque chose que vous pouvez porter dans une fête ou dans un event, ou soit si vos chéris vous faire sortir. Donc, normalement, quand avec le fashion, quand vous partez dehors avec vos chéris ou soit dans une fête avec vos amis, ce n'est pas bon de porter comme ça le sac avec, tu vois, la corde, non. Si vous voulez être très poche et puis classe, vous attrapez comme ça vos petits portefeuilles comme ça. Ça fait plus chic et classe. Vous voyez, donc si vous avez attrapé comme ça, c'est chic. Mais avec attrapé avec la main, tu vois, mettre ça sur vos choses et tout, ça ne fait pas vraiment joli. Ça fait comme des petites fibres. Comme ça, c'est classe. Vous attrapez comme ça et tu vois, vous marchez. Donc, je vais venir un peu devant la caméra pour que vous voyez un peu devant. Vous pouvez aussi mettre la chaîne, mais mettez une chaîne qui peut marcher avec le sac que vous avez avec les chaussures. So, guys, I'm going to come back close so you guys can see. Donc, vous voyez, vous me voyez, je m'abaisse juste un peu pour que vous voyez comme elle est belle. So, guys, you can see the dress, the way it's beautiful, it's working and everything. So, this is outfit number one. Donc, ça, c'est premier habit que je vous montre. Je viens bientôt avec l'autre habit. I'm coming with outfit number two. Peace. So, guys, this is outfit number two. So this beautiful jumpsuit that put on, you can see, red and black. It's so cute and beautiful, guys. So this outfit is only for Valentine's Day or either party as well. So this is not like, or either if you want to also go to the cinema. But I prefer this jumpsuit for Valentine's Day when you want to go out with your friend or either your sweetheart. This is for it. And also you can wear it with black because you can see there's red there, so you don't really need to put many color of shoes there. Black is okay, a black bag is also okay, and also no jewelry in your own or whatever is more better that way. So you can see I put black heels on and also my beautiful bag. So les amis, ça le deuxième, ça c'est un numéro vêtement numéro 2 que j'ai porté, numéro 2. Donc ça c'est une jumpsuit. Le jumpsuit, vous pouvez seulement porter ça le jour de Saint-Valentin avec vos chéris quand vous partez peut-être au restaurant. Et ça aussi, vous pouvez porter ça aussi le jour des fêtes. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez porter à partir en boîte, non. Si tout de suite vous êtes en Afrique ou même en Europe, ça c'est pour Valentine. Et vous ne portez pas assez de bijoux, non. Ça c'est simple. Vous portez pas de bijoux, vous avez vos petits boucles, mettez vos boucles d'oreilles, les paires de talons aussi noirs avec un sac noir. Donc ne portez pas n'importe quelle couleur de chaussures, non. Noir ça va, avec un sac noir ça va. Donc si vous voyez que là, vous voyez les traces là, parce que j'ai mis le collant pour le ventre, voilà pourquoi vous voyez des traces là. Mais si vous n'avez pas grossi, vous êtes mince, vous pouvez pas mettre des collants. Portez ça simple. Donc c'est ça. So guys, so if you see any, you see something under the jumpsuit, it doesn't matter. I just put legging on. I just put a small legging on because to just tuck my belly in, guys. You know what I mean? To just pull my belly down a bit, so you guys will not see massive belly in front of you guys. So that's why you can see there. You can see the way it look at. But it doesn't matter. So, outfit number two. I'm gonna turn so you guys can see it. So this is the back. Donc vous voyez les amis, ça c'est le derrière de l'habit. Vous voyez comment c'est joli. So, you saw the back is amazing, guys. So see you guys for outfit number three. Je vous vois bientôt avec vêtement numéro 3. Tout à l'heure. Oh guys, I'm so happy, I'm so excited, guys, because I'm in love with this dress. This
green dress. I'm in love with this green dress. Oh my goodness, it looks so good. Look at it. Ooh, so this is outfit number three. So this one, you can also go party anywhere you want to go with your friend, whether you can go, and also clubbing. You can go clubbing with your sweetheart with this outfit, because you can see the front of it is too open, and it's big. You can see also the design. Yes, you can see the dress. I'm in love with it. So I also got a green, beautiful black, I mean green back on, so you can see him. This one, it doesn't matter. You can rock in the club, rock it, restaurant, rock it, cinema, rock it, party. So it's so beautiful, you see? Donc les amis, vous voyez, j'adore cette robe. Et la robe, elle est verte. J'aime bien cette robe parce que avec cette robe, tu peux partir en boîte avec ton chéri, t'amuser en boîte avec ton chéri. Parce que regardez le design, c'est un peu ouvert là. Et aussi, vous voyez là, vous voyez le design, comment ça est. Et vous voyez ici aussi, c'est trop joli. J'adore cette robe. Oh my God, elle est tellement belle. Vous pouvez aussi porter ça avec vos chéris, comme je vous ai dit, en boîte. Soit au restaurant, soit au cinéma, soit partir un peu danser, un peu de danse avec vos chéris, un peu de salsa, un peu de zouk 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 zouké. Donc les amis, franchement, vous voyez comment ça y est, c'est vraiment super. Donc attends, je viens un peu devant, vous allez voir. So guys, I'm gonna come a little bit closer to the camera so you guys can see the design properly. Ooh, I'm rocking it. I'm rocking it. Don't mind me. So, look at it. Look at it. It's beautiful, isn't it? So this, you can wear a black shoe. Doesn't matter. You can choose any bag that you want to choose. So, outfit number 4 is coming. Donc, vêtement numéro 4 arrive bientôt. So guys, here I come. Hear me. This is me again. This is me again. So this is outfit number 4. And this is a jumpsuit. It's a beautiful jumpsuit. But this is nightwear or either evening time. You can wear it evening time or either nightwear. It's up to you. So it's up to you where you want to wear this one, where you want to rock it, anywhere you want to go. It's also beautiful to take an amazing picture as well for Instagram. You know, it's very beautiful. It's a beautiful jumpsuit. So you can see it. I also love it as well because, guys, the jumpsuit is really long. I love when my jumpsuits are long. I love the fit, especially I love when the leg is long. It's better that way. So at least when you put your heels on, it comes out good, beautiful. So donc ça les amis, ça c'est vêtement numéro 4. Et ça aussi c'est une jumpsuit. Et j'adore ce jumpsuit. J'adore ça, c'est super, c'est joli. Et ça c'est seulement pour le soir. Parce que c'est brillant, c'est pour seulement le soir. Donc vous pouvez porter ça où vous voulez. Donc là vous avez vu, j'ai mis mon petit sac là comme ça. Donc c'est mieux comme ça au lieu d'attraper un sac à main ou quoi ou même un portefeuille. Je préférais ça. Porter des talons, quand tu mets les talons c'est vraiment super avec, tu vois. Donc voilà ça. So guys, this is me again. So this is outfit number 5, guys. So you can see it. The outfit look beautiful, sexy. So this one, you can wear it anywhere. This is summer wear. You can wear it when it's very hot. You're going out. You can wear it also in the park. You can. What I love about this outfit is you can wear leggings under it. You can put leggings. You can wear it also with jeans as well. It looks nice with jeans. And also legging. So when you go to the park, you can just put your trainers on. You don't need to put heels on it, but it's also good for outing as well. Like if you want to also go to a restaurant, wherever you want to go with it, you can just put your nice heel under, simple heels, your black back on again. So you can see it's beautiful.
very classy as well. So, mes amis, ça c'est vêtement numéro 5. Vous voyez comment c'est joli. Ça, vous pouvez porter ça avec le collant. Le collant, le legging, c'est pas comment on appelle ça en bon français, même le collant. Donc, vous voyez, tu peux, soit vous pouvez mettre, vous pouvez porter ça avec un jean mince, le jean mince, bien joli avec dessus. Et aussi, vous pouvez partir au jardin avec votre chérie, vos amis, ou bien soit vous pouvez aussi porter ça aussi dans un restaurant où vous voulez partir aussi, vous pouvez porter ça. C'est vraiment super joli. Donc, si vous voulez porter ça au jardin, vous n'êtes pas obligé de mettre les talons en bas. Vous mettez les paires de crêpes en bas avec vos collants. Vous voyez comment j'ai porté ça, vous mettez juste les paires de crêpes en bas. Bien chic, ça sort joli, super et bien parfait. Donc, vous voyez, aussi pour sortir, vous pouvez mettre aussi un peu de talons en bas, les paires de talons. Donc, c'est ça. Vous voyez comment c'est classé joli. So guys, I'm gonna turn so you guys gonna see it. And I love this outfit. So look at it. So this is the back. Can you see? Come close. Donc mes amis, ça c'est le derrière. Vous voyez comment c'est joli derrière. Vous voyez? So you can see guys. You can rock it anywhere. It's beautiful and perfect. So this is the last outfit, guys. Let me come closer so you can see. Donc les amis, ça c'est le dernier vêtement. Donc je vais venir un peu devant la caméra pour que vous voyez bien l'habit. So vous voyez. So guys, you can see. So guys, what I want to tell you guys now is the end of my video. End of my video. I really appreciate guys, all of you out there watching my videos. Please don't forget to subscribe to my channel, like and share and comment down below. If you want to see more of this beautiful outfit, follow me in my Instagram page. Please follow me. Make sure you follow me on my Instagram and then ask me if you want to know where I got the outfit from. You can just send me a message to my Instagram, and if you like it, we can talk more there so I can give you more detail. Donc mes amis, c'est la fin de ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. N'oubliez pas aussi de commenter, liker, s'il vous plaît. Likez, abonnez-vous. Vous êtes en Afrique, abonnez-vous sur ma chaîne. Vous êtes en Europe, abonnez-vous sur ma chaîne. Likez, commentez. Et si vous voulez savoir où j'ai acheté ces habits, où est-ce que je prends ça et tout, s'il vous plaît, suivez-moi sur mon Instagram. Envoyez-moi des messages là. Envoyez-moi votre numéro et on peut communiquer sur WhatsApp. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas de me suivre sur ma page Instagram aussi, s'il vous plaît. Ok? Envoyez-moi des messages et puis je vends tout ça. Je les vends. Bon prix, très moins cher. Hein? Je ne suis pas trop cher, moi. Donc, vous suivez-moi aussi Instagram et puis vous allez plus savoir, plus sur les vêtements. So, n'oubliez pas de vous abonner et je vous adore. I love you guys so much. Remain safe and blessed. Faites très attention à vous et puis soyez bénis. Lavez toujours les mains. Soyez prudents. Prenez soin de vous et vos familles. And peace.